Eh bien bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo présentation un petit peu de mode de cette semaine les amis, un petit peu comme tous les samedis en ce moment. Voilà, des modes qui m'ont plu cette semaine là, qui sont sortis cette semaine ou un tout petit peu avant. Voilà, c'est des modes que je n'avais pas vraiment vu ou voilà, que j'avais pas vraiment vu et que je voulais vous montrer parce que c'est le mode qui m'intéresse, avec lequel je prends plaisir à jouer, que je trouve vraiment sympa à utiliser. Des nouveaux modes sortis récemment comme la Lexion qui est ici, la 670, qui est juste superbe. Voilà, donc par contre je ne l'ai pas testé, j'ai pas eu le temps de tester cette machine là, mais je pense pas qu'elle soit buggée. Voilà, donc c'est pas mal. Que des tracteurs les amis, vous voyez aujourd'hui, et un télescopique, voilà, que tout ça je vous mettrai tout sur mon site internet les amis, au plus vite si c'est pas encore fait, ce sera très très vite les amis, mais ce sera vraiment des, voilà, c'est vraiment des modes, des tracteurs que j'apprécie, parce qu'il y a quand même deux gros tracteurs qui sont superbes les amis. Et dites-moi un petit peu ce que vous pensez également de tous ces modes, bien sûr, en commentaire, ça m'intéresse aussi. Donc on va commencer les amis avec le John Deere, le 7920. Alors je vais vous montrer ça dans le shop déjà pour commencer les amis. Donc j'espère que aussi tout va bien pour vous. Moi ça va plutôt bien, je suis vraiment content de vous retrouver encore une fois pour une nouvelle vidéo de ce type là. Je sais que ça vous plaît, donc bah, moi ça me plaît aussi de vous en faire bien sûr, de vous montrer un petit peu tous les modes que j'utilise, donc ça fait plaisir. Voilà, donc c'est le John Deere série 7000 avec les nez allongés. Donc ça c'est une série un peu ancienne, mais qui est vraiment sympa. La 3D de ce tracteur est juste magnifique, enfin j'adore. Il y a juste le bruit que je trouve pas très beau, ça vous verrez ça après les amis, mais franchement niveau 3D c'est pas mal hein. C'est pas mal, on peut choisir les pneus Trelleborg ou les pneus Michelin, soit en pneus large soit en standard. Voilà, vous pouvez prendre le GPS ou sans GPS, et bien sûr trois configurations de moteurs possibles, le 7720, le 7820 et le 7920. Voilà, donc pas mal de choix à l'achat, pas mal de choix, voilà, pour un montant à peu près de 98 000 € pour le plus puissant. Donc c'est pas mal, un tracteur 214 chevaux, 93 000 €, voilà, ça vaut le coup, moi je dis c'est pas mal. Voilà, donc les amis, regardez un petit peu, regardez l'extérieur de la 3D, regardez, juste magnifique. Juste magnifique ce tracteur. Franchement, c'est une tuerie. Hein. Franchement, je le kiffe. Hop. Donc, on va monter bien sûr dedans. Donc là, le tracteur est en route. Vous voyez, c'est le bruit de base, hein, je pense. Il n'y a rien d'exceptionnel là-dessus. Après, voilà, il n'y a rien d'exceptionnel non plus. Ça reste un tracteur, j'ai envie de dire. Voilà, mais un tracteur qui est sympa, qui me plaît. Les clignotants marchent. Voilà, le petit gyromarche fonctionne également. Donc ça, c'est pas mal. Au niveau des feux, regardez les feux et tout. Franchement, c'est pas mal fait non plus. Hop, ça manque des... Ça manque une petite rampe de feu sur le toit par contre. Ouais, alors peut-être que d'origine ces tracteurs là sont faits comme ça, je ne sais pas. Mais ça manque un petit peu, ça c'est dommage. C'est dommage, mais bon, c'est pas bien grave. Hop, et voilà, regardez les amis, franchement ce tracteur avec un petit relevage avant, donc il n'y a pas de choix, vous avez automatiquement le relevage à l'avant. Mais franchement ce tracteur là il est juste super. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire ce tracteur. Et en vue intérieure, je sais pas si je vous ai montré, regardez la vue intérieure, elle est pas mal, la 3D. Les textures, tout ça, c'est franchement pas dégueulasse. Donc, c'est pas mal. Moi, je dis que c'est propre. C'est pas mal. Donc, moi, ça me plaît. Donc, voilà, c'est pour ça que je vous le montre, les amis. Après, ensuite, on passe sur un 900 TMS. Les anciennes séries de 900 de chez Fendt. Les 900 Vario. Le tracteur également juste magnifique. Une 3D extérieure superbe. Qui fait, alors, par contre, il fait exactement le même bruit que le John Deere. Donc, c'est le bruit de base. Rien d'exceptionnel là-dessus. C'est dommage. Mais après, c'est un tracteur qui est vraiment bien fait. Je vous montrerai ça tout de suite, au pire, dans le shop. Tout de suite avant de vous montrer en détail le tracteur, mais franchement c'est un mode superbe. Qui coûte vraiment pas cher, un tracteur puissant qui coûte vraiment pas cher, donc voilà, c'est pas mal. Vous pouvez le prendre soit avec les pneus Trelleborg, soit Michelin, ou même Mitas. Ah j'ai pas vu, tiens. On peut même le prendre en pneu Mitas. Eh, il est pas mal aussi comme ça. Il y a de la gueule aussi, ok. Personnalisé soit avec les... Regardez derrière, hop, avec les petites... les panneaux de signalisation sur le côté de gabarit, voilà. Donc ça c'est pas mal, et 900... Ah oui, on a quand même pas mal de... Oui, on a vraiment tous les varios, enfin tous les modèles disponibles, le 916, le 920, le 924, le 926 et le 930, voilà, donc de 300 chevaux pour un montant total de 100 000 €. Donc franchement, c'est pas très cher si vous avez parti notre cheat ou la tracteur 300 chevaux à 100 000 €. Franchement, les gars, ça vaut le coup. Hein. Ça, je vous le dis tout de suite. Ça vaut le coup. Alors, bien sûr, la 3D extérieure, pas mal. Regardez la grille de laquelle on est tout vraiment bien faite. Rien à signaler de ce côté-là. Tout est propre. Franchement, tout est. Ouais, tout est vraiment sympa. Intérieur également, regardez. Vraiment sympa. Alors, vous dire si c'est cet intérieur-là du tracteur d'origine, je pense que oui. Après, je ne saurais pas vous dire. Par contre, on n'a pas les. Il manque les pédales animées. L'inverseur, on voit les voyants d'inverseur, donc c'est pas mal, vous avez les kilomètres-heure, le régime moteur, ok. Niveau des feux, comment ça se dit? Enfin, qu'est-ce que ça donne? Voilà, donc le plein, ouais, donc il y a quand même ce qu'il faut niveau feu. Le petit gyrophare qui fonctionne également.
Donc ça, c'est pas mal. Et ouais, la vie intérieure, franchement, je la trouve pas dégueulasse. Hein. Franchement, la vie intérieure, elle est propre. Hein. Elle est propre, les rétroviseurs fonctionnent. Ouais, non, franchement, je kiffe. Je kiffe ce tracteur, les gars. Je vous le dis, les gars, je le kiffe. Je le kiffe. Il est vraiment sympathique. Il n'y a pas grand-chose à redire sur ce tracteur-là. Ouais, je vous le conseille. Je vous le conseille, les gars. Ensuite, petit télescopique. Alors, je vous l'ai montré parce que, bon, après, il a rien d'exceptionnel. Notamment la vie intérieure, je vous montrerai ça tout de suite au pire. Ça rappelle la vie intérieure, je la trouve pas ouf parce qu'on voit le bonhomme. C'est pas très ouf, ça je vous l'accorde les gars. Dès que vous tournez le volant, bah, y a la main qui tourne. Au pire, ça peut être pas mal, ça peut être assez réaliste. Après, je trouve qu'elle est pas non plus ouf la vie intérieure, mais bon, ça on dirait qu'on est un peu. C'est bizarre, la vue elle est un peu bizarre, je trouve. Mais bon, au pire, c'est pas le. Par contre, le joystick ne fonctionne pas, ok. C'est pas le plus intéressant. Enfin, voilà, ce qui est intéressant avec ce télescopique, c'est que ça permet de changer un peu. Parce qu'on a toujours le Manitou ou le Massé. Enfin, on n'a pas énormément d'offres de ce côté-là au niveau mode. Donc, du coup, ça permet d'avoir des télescopiques un petit peu variés pour ceux que ça peut intéresser. On peut qu'avoir ces pneus-là de base. Oui, il n'y a pas d'amélioration possible. Je vais vous le montrer au pire. Chariot télescopique, oui, c'est celui-ci. Il n'y a rien d'exceptionnel, rien de nouveau, voilà, il n'y a rien de plus. Voilà, donc un télescopique qui est quand même plutôt pas mal. Alors, ce que, par contre, voilà, vous avez vu que j'ai mis une petite nacelle devant parce que tout simplement, alors je pense que c'est avec ce mode-là parce que j'ai pas rajouté de. Mais c'est JCB, c'est un truc Caterpillar, et là c'est un machin JCB. C'est bizarre, une potence même. Mais voilà, il y a tout ça, et je pense que c'est avec, les gars. Dites-moi si c'est une bêtise, mais je pense que c'est avec. Vous avez des fourches longues, des petites fourches, vous avez pas mal de choses. Et une fourche à balles également qui est sortie récemment. Alors, je sais pas si c'est pas sur le mode up, celle-ci, je ne sais pas. Vous pouvez la choisir de la couleur que vous voulez. Petite fourche à balles également. Voilà, je vais pas vous l'acheter, mais c'est juste pour vous la montrer. Voilà, c'est une fourche classique à balles, mais ça permet d'avoir de mettre tout facilement 3 voire 4 bottes avec la barre ici. Il y a moyen de mettre 3 ou 4 bottes facile. Donc, c'est un petit outil en plus. Vous voulez sur un télescopique, ça vous intéresse, les amis. Voilà, je vous le montre. Et puis voilà, bon après il a rien d'exceptionnel, hein. Mais bon ça permet de vous changer un peu, je pensais surtout que c'était là, celui-là c'est surtout pour vous, je sais que ça va intéresser certains d'entre vous, donc voilà, donc c'est plutôt sympa, enfin, c'est toujours bien d'avoir ça. Les amis, ensuite la Lexion 670 que je n'ai pas testée, je tiens à le dire, j'ai pas eu le temps de la tester, mais je pense qu'elle fonctionne, je l'ai vu fonctionner en vidéo, donc il me semble qu'elle fonctionne, elle est vraiment magnifique cette Lexion, donc c'est la plus petite des, c'est plus petite que Lexion 700. Mais elle reprend vraiment la 3D des 700, je pense. Elle est un peu plus petite, un peu plus courte, ça se voit quand même. Mais voilà, c'est quand même une sacrée machine pour en avoir par chez moi. Il y en avait une 660, une 670 pas très loin de chez moi. Donc je connais bien aussi ce genre de machine. Les petits gyrophares qui fonctionnent. Les feux également, tout fonctionne de ce côté-là. On est pas mal, ça pète. Donc c'est cool. Je vous montrerai ça après les amis. Vous avez deux barres de coupe avec cette machine-là. Regardez. Et elle est vraiment sympa, franchement moi je la kiffe cette machine là, j'adore les classes l'élection de toute façon, donc j'adore les classes en moissonneuse, donc c'est cool. J'étais content de voir cette petite machine. Et ensuite au niveau des barres de coupe à vis, barres de coupe, là vous avez que deux barres de coupe avec cette machine là, vous avez la Vario 750, vous voyez, qui monte sur la 670, et la Vario 900, voilà, donc c'est deux coupes, de base on pouvait pas mettre plus après, ça ne correspond pas avec la machine. Donc voilà, et après quand on la déplie, vous voyez un petit peu ce que ça donne, je vais vous montrer. Voilà, pour après c'est caractéristique de toute l'élection, voilà, la trémie comme ça qui s'ouvre, voilà, comme ça, donc c'est pas mal. Alors on va regarder un peu dans le shop, je voulais voir la contenance de la trémie aussi. Tac, 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 moissonneuse batteuse, c'est celle-ci. 11 000 litres de trémie, donc ouais, ça doit être ça. Pneu Trelleborg, pardon, ou Michelin. Par contre, on peut pas zoomer la vue. C'est un bug, je crois, du truc, du mode. Je pense qu'on peut pas zoomer la vue dans le magasin. Bon, après, c'est pas bien grave. On peut mettre les différents logos. Alors, je vois pas. Différents logos, vous voyez. Ah, ouais, ce petit logo qui est sympa aussi. Allez, ça est sympa comme ça, tu vas l'acheter. Et, bon, le numéro, on s'en fout un petit peu. Et, moi, je préfère être le Michelin comme ça. Tac. Voilà. Voilà un petit peu pour vous montrer, les amis, au niveau de la machine. Hop, regardez, elle est sympa avec ces logos là, franchement elle a de la gueule. Moi j'aime bien comme ça, ouais. Franchement elle est stylée.
Bah voilà les amis, on va pas faire plus long pour cette petite vidéo présentation de mode. Des modes qui m'ont plu cette semaine-là, il n'y a pas eu énormément de modes non plus. J'ai pas de map à vous présenter. Je vous ai déjà présenté une jeudi, donc c'est déjà pas mal. Mais quelques modes sympas. Franchement, j'espère qu'ils vous plairont tous ces modes-là. N'hésitez pas à aller les voir sur mon site internet. Ils seront disponibles sur mon site internet. Tout cela, voilà. Je vous invite vraiment à les voir. C'est ma petite sélection de cette semaine-là. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce, mes amis, à cette vidéo. On se retrouve dès demain avec Pascal. Seulement Pascal pour cette semaine-là en série Not Cheat. Bien sûr, la suite de notre série avec Pascal. Et je vous invite vraiment à être là parce qu'on fait une grosse vente demain. Donc, je vous invite vraiment à être là, à répondre présent. Et puis voilà. Et écoutez, les amis, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao!